Je viens d'écouter une émission sur Radio avec Michel Chaumara, qui date de quelques années. Alors, c'est assez comique, quelque part. Parce que il nous dit que d'abord, alors, la discussion avec le journaliste est assez incohérente. En fin de compte, il nous dit que Nostradamus avait prévu la mort d'Henri II dans un quatrain qui serait paru dès 1555. Et puis il nous dit qu'il y a eu une lettre de Nostradamus datée de 1558 adressée à Henri II. Et dans cette lettre adressée à Henri II, peu de temps avant la mort d'Henri II, il ne fait absolument pas allusion à cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'adresse au roi. Alors, cette lettre ne paraît qu'en 1568, après ce qu'on nous dit. Hein. Bon, c'est encore très, très fumeux. Mais tout ça, ça s'embrouille de manière invraisemblable. On nous dit qu'il y a un quatrain dans les premières centuries qui a fait la gloire de Nostradamus parce qu'il aurait annoncé la mort en duel d'Henri II. Mais par la suite, on va publier des centuries, beaucoup plus tardivement en réalité, mais peu importe, où Nostradamus s'adresse à Henri II, comme si de rien n'était, quelques mois avant sa mort, et ne fait aucune allusion à ce quatrain que, apparemment, tout le monde aurait dû prendre en considération. N'importe qui réfléchira en disant, bon, il écrit Henri II en 1558, alors ce quatrain, il existait déjà ou pas déjà. Il ne faut pas trop chercher à comprendre, parce qu'en réalité, ça s'est fait dans la plus grande confusion, cette édition de Century. Mais ce qui est un fait, c'est que quand ça s'est fait, quand on a mis en place cette épître à Century, rappelons-nous quand même aussi qu'il y a eu une première lettre à Henri II de 1556, parue en tête des présages merveilleux pour 1557. Et si ce quatrain sur la mort d'Henri II était paru en 1555, on aurait le même problème. Pourquoi en 1556 ne parle-t-il pas de ce quatrain? Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur cette histoire de prophétie sur la mort d'Henri II, parce que les deux épîtres à Henri II, celle de 1556 et celle de 1558, ne font absolument pas allusion à la mort du roi. Qui n'était pas encore mort, justement, soi-disant.